Maman est toujours occupée. Elle a beaucoup d'amis. J'aime maman. Maman m'aime aussi, mais elle ne me comprend pas. Et je pense que je ne la comprends pas plus. Papa a le téléphone vissé à l'oreille. Tous ces coups de fil semblent hyper importants. Je ne suis pas allé à l'enterrement de grand-père. Je voulais lui dire au revoir, seul et à ma manière. Comme c'est étrange, je le croise ici ou là. Souvent, nous flânons son but précis. C'est tellement bon d'avoir de la compagnie. Dans la ville, les étoiles sont de plus en plus difficiles à apercevoir. Je ne veux vraiment plus rien entendre de ce qui se passe entre eux deux. Allons, quittons cette ville. Je ne l'ai plus jamais revu, mais je me souviendrai toujours de cet été et de ces nuits étoilées, splendides et si solitaires. J'ai dessiné ce projet en pensant à ma propre enfance. Dans les moments difficiles, on peut avoir le sentiment d'être dans une impasse. Mais il suffit parfois de lever la tête et de regarder un peu plus loin pour se dire « toute chose passe ». La nuit est obscure, mais elle recèle une beauté qu'on n'oubliera jamais.